Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors aujourd'hui j'ai reçu mon échange pour le groupe Happy Mail en tout genre. Donc c'était un Happy Mail hiver, sur le thème de l'hiver. Donc le mien est arrivé à Bonpeur ce matin aussi. Donc du coup, c'était pas pour la même personne. Moi, il était pour Maeva et ici il vient de Maude. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. J'ai juste ouvert en fait, hop là, pour voir. Hop là, au cas où c'était. Donc, hop là. Donc, je n'ai pas vu du tout ce que c'était. J'ai juste vu qu'il y avait plein de trucs. Je me suis dit, c'est pas une participation au concours, c'est l'Happy Mail. Du coup, hop là. C'est super joli. Donc c'est des. On va ouvrir. Je pense que c'est des attaches parisiennes, non? Non, c'est pas des attaches parisiennes. C'est juste des autocollants. C'est bien. Comment faire pour pas tout abîmer? En fait, c'est. Je suis désolée, je fais du bruit. On va faire comme ça. Donc, non, en fait, c'est juste des flocons. Je trouve ça super chouette. Ah mince, vous voyez, ouais, je trouve ça super chouette et c'est super bien décoré, j'adore. Ensuite, flipbook à refermer, s'il vous plaît, ça a dépassé les 3 cm. Hop là, bon, mon timing qui est refermé, hein. Je vais l'ouvrir. Donc, hop là, il se trouve comme ceci. Je trouve ça très chouette. Donc, du coup, on l'ouvre. Petit bonhomme de neige. Avec un petit thé. Des très jolis flocons. En plus, j'ai pas de dye, j'ai rien du tout au niveau flocons de neige. Et j'adore. Ils sont super chouettes. Donc ensuite, de ce côté-ci, des petites découpes. Des petits échantillons de washi. Je regarde le papier, je trouve super chouette. Il a l'air fin, mais j'adore. Des petits napperons. Alors ça, c'est super parce que je me suis offert un die et en fait, il me déchire le papier. J'arrive pas à les découper. Et du coup, il faut que j'arrive à en commander d'autres. Parce que j'adore les napperons et. Ils sont super chouettes. Oui, je sais, j'ai mis les deux bleus ensemble, mais c'est un petit, on va dire un petit tuck, mais voilà, faut que ce soit comme ça. Hop là. Du coup, aussi, à deux sens là, pas la rosace, mais j'aime beaucoup. Ça fait penser à une sucette. Oui, c'est la gourmande en moi qui parle. Hop là, nous avons encore ici des petits dots.
des petits tags. Oh, j'adore. Donc là, je crois qu'au niveau tag, il y a de quoi faire. Génial. On ouvre. Ah. Une petite pince comme ça. Moi qui aime le fémin, je crois que je suis gâtée. Alors, hop là. Donc, Maud a une chaîne YouTube. Alors, c'est The Happy Craft Girl. Sur Instagram et sur YouTube. Je ne savais pas, donc génial. Hop. Donc, elle me disait sur la lettre que c'était dur de ne pas tomber partir sur Noël. Il serait que moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le mien. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de l'Happy Mail que j'ai envoyé moi donc à Rima et parce que je pense qu'il sera publié avant. Jolie petite carte. J'adore le papier, il fait voyez, une super petite carte. Je vais mettre tout ça dedans après. J'adore la petite étoile. Oui, vraiment, je trouve très très joli. Je vous mettrai aussi, donc du coup, ce coup-ci, dans la barre d'infos, le lien de sa chaîne. Je vais aller la retrouver. Et, des petits embellissements. Chouette, les flocons, oh, du coup, ils sont super chouettes. J'adore le petit ours. Et ici, des petits. À mon avis, ça s'ouvre pas. C'est bien cousu sur les côtés et tout, donc ça doit pas s'ouvrir. Ou alors c'est le wachi qui referme. J'ose pas du tout. Ah non, je crois que c'est le wachi qui referme. J'espère que je fais pas des bêtises. Donc voilà, c'est le wachi qui referme. J'adore l'idée. Ils sont super chouettes. J'adore. Je trouve ça vraiment très joli, super chouette. J'ai bien été gâtée. Et que du fait main. Alors c'est ce que je préfère dans les échanges, c'est le fait main. J'adore. Mes copines elles vont encore rigoler parce que j'arrête pas de dire j'adore tout le temps. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais aller envoyer un petit message à Maud pour lui dire que j'ai bien eu son colis et que j'ai adoré. Ensuite je prendrai des photos pour mettre sur le groupe sur Instagram. Et non, sur Instagram, ça viendra quand la vidéo va être publiée. Donc, nous sommes lundi 26. Je pense publier cet après-midi la pimelle que moi j'ai envoyée. Il me semble que le montage est prêt. Et du coup, vous aurez certainement celui-ci demain ou mercredi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pas mal de tutos à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Bon scrap!